ferait mieux de la suivre. Voilà ce qu'on gagne, à être honnête. La claque. Bon, il n'est pas très loin. Heureusement que j'ai pris des calmants. Évidemment, ils sont restés dans le 4x4. Pour le tout. Moins vite! Moins vite! Bah! Oh! Bon, au moins il me reste ma dignité. J'essaie par là. Ah, bien. Oh merde, ça t'est vite. Ok. Putain, c'est Nadine. Oh, elle est vraiment dans la merde, là. Faut que je la rejoigne. Je peux dire adieu à la caution. C'était quoi ça? Non, rien. Elles sont prêtes! Florian, ouvre bien l'œil! Elles doivent pas se cacher bien loin! Elles n'ont pas pu aller loin à pied!
Il nous faut un truc plus puissant. Faut des explosifs pour venir à bout de ce blindé. Ça y est, plus personne. Tu veux un coup de main ? Voilà. Même pas un merci. Attends, tu m'as carrément menti. J'ai pas menti. J'ai juste préféré ne pas te parler de Sam. Oh, incroyable. Écoute, Asav va prendre de l'avance. Il faut pas qu'on traîne. Oh, merde. Écoute. Allez, crache le morceau. Ok. On joue carte sur table. J'ai besoin de ton aide. Il fallait y penser avant. Et toi, de moi, si tu veux la défense. Ok, j'aurais pas dû. D'accord ? C'est ça, tes excuses. Si ça t'aide à te calmer, on va dire que oui. Écoute, là, on a toutes les deux quelque chose à perdre. Tu comprends ? Que ce soit bien clair. Ma priorité, c'est la défense.
pas Sam Drake. Et encore moins toi. Je comprends. Qu'est-ce que tu fais ? Je t'assure qu'on ne nous suivra pas. Très bonne idée. C'était quoi ? Ni plus ni moins que ce que t'as entendu. Oh, qu'est-ce qu'ils foutent ? Ils prennent des raccourcis. Incroyable. Oh, ça alors. Les rois ont fait entrer leur peuple dans ces tunnels. Quoi ? On n'a pas trouvé l'entrée, mais la porte de sortie. Ok. On dirait un puits à degrés. Tu t'en fous. Chut. T'as entendu ? Maintenant, oui. Ignorez-nous ? Pas qu'elle soit blessée. Ça a dû s'effondrer à cause de l'explosion. Doucement. Chut, 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 tout va bien. Désolée. On va te sortir de là. Attends, pars pas si vite. Il faut qu'on sorte. Reste calme. Tu me parles à moi ou à l'éléphant ? Les deux. Toudou, tranquille. Bon, ok. Il nous emmène où ? Où il veut.
Écoute, je... Je suis pas très douée dans ma relation avec les gens. T'es qu'une conne égoïste. Ouais. T'as raison. Je suis qu'une conne égoïste. Ouais. Ça fait du bien de l'entendre. Alors, t'as entendu ça, papa ? J'ai finalement hérité d'un peu de toi. Il est arrivé quoi à ton père ? Il était du genre à jamais rien lâcher. Le ministère de la Culture lui a proposé de financer une autre de ses expéditions. Parce que cette fois, il était sur un gros coup, comme il disait. Il était toujours sur un gros coup. Mais des bandits ont attaqué son campement et... Ils ont retrouvé son corps des semaines plus tard. Et cet objet stupide, c'est ce qui me reste de lui. Je suis désolée. Oh, ça va. Il a fait ses propres choix. Alors... Écoute, Fraser... T'as pas... Qu'est-ce qu'il fait ? Je crois qu'il charge ! Dis-lui d'arrêter ! Comme si je parlais à éléphant ! Pourquoi elle était si pressée ? Eh, à propos de Sam... Ça va, j'ai compris, ok ? J'ai mes merdes à régler, moi aussi. Alors je te propose de mettre ça de côté. Ok. Ça marche. Allez. Au moins, on aura accompli une bonne chose aujourd'hui. On aura réuni une famille. Garde tes distances. Y'a un petit avec eux. Je sais. Attends, je vais la prendre celle-là. Ah, ok, merci. Pousse-toi un peu. Nickel. Maintenant, tu tends ta main un peu par là. Quoi ? T'as le moyen le plus sûr de caresser un éléphant. Merci beaucoup. Ça fait peut-être longtemps, mais dans mes souvenirs, les éléphants étaient plus grands. T'as sûrement l'habitude de voir des éléphants d'Afrique. Là, ce sont des éléphants d'Asie. Sympa, Asaf, de nous avoir laissé des provisions. Fais le plein si besoin. Ça marche. Là-haut.
Regarde, en haut des escaliers, je vois de la lumière à travers l'eau. Bonjour, Belour. Tu sais, c'est pas tous les jours qu'on peut admirer une ville que personne n'a vue depuis des siècles. À part Asav. À part Asav. Et une partie de ses hommes. Et une partie de ses hommes. T'es prête? Tu viens de me gâcher ce beau moment. Tu t'en rends compte? Ouais, je suis prête. Comment on entre? Je sais pas. On dirait des habitations sur le côté. Alors grimpons. Voilà le travail. On a perdu un homme ici. Regardez partout. Encore un mort. Ne parlons pas de ça, Asav. Attention, on a
crois avoir vu quelque chose. Bon, tant pis. Par ici, je les ai trouvés. Tu peux pas tous nous tuer. Merde! Mais qui l'a invité à la fête? Il n'y a aucune échappatoire! Coupez-les! Ah, super! Oh non! C'est trop près! Vous êtes mêlés! Fini. Présent, il y a une porte là-bas. Il y a peut-être un passage. J'arrive. Ok, on y retourne. Ah, voyons où ça nous mène. Encore ici. Il doit bien y avoir un moyen d'entrer dans la ville. Ça va pas dû trouver d'entrée, alors il s'en est créé une. J'aurais cru qu'Assav aurait plus respecté cet endroit. Assav ne respecte qu'Assav. Ce rebord avec les chutes d'eau, c'est par là qu'il faut passer. Ah.
D'un côté, c'est dommage que Bélour soit caché aux yeux du monde. Maintenant, c'est pourquoi. Un autre dieu? Je dirais que c'est un des rois, Oysala. Ils avaient combien de rois à l'époque? 11. Le jeune roi était le dernier de leur lignée. Son plan a marché. Il a protégé sa ville des Perses. Et voilà, par là-haut. De plus en plus spectaculaire. Bon sang, ils ont explosé l'entrée. Qu'on a entendu. Il y a sûrement une autre entrée. Ils essaient de nous ralentir. Ouais. Je suis là, Nadine. Quel drôle de goût. Toi, faut qu'on rattrape les autres. Je les vois. C'est fait, on y va. Bon sang ! Ils sont encore coincés. La ville est grande, il doit y avoir un autre moyen de passer. C'est quoi cet endroit? Un bain? Ou un puits? Peut-être les deux.
Regarde, il y a des bulles d'air qui remontent dans le bassin. Lève la tête, on est dans une sorte de cénote. Ça alors, c'est quoi cet endroit ? C'est quoi ? Un ancien manuscrit Canada. On dirait des strophes. Peut-être un poème. On est dans une bibliothèque ? On dirait. C'est un sitar ? Un vina. C'est l'ancêtre très lointain du sitar. Il donnait peut-être des représentations ici. Fraser, par ici. Qu'est-ce qu'on a ici ? De l'encens ou des herbes ? On dirait un tambour. C'est un tambour. Il conserve toutes sortes de choses ici. Wow. Regarde ça. C'est incroyable. On dirait un genre d'hôtel. On dirait surtout que les rois souffraient pour leur peuple. Il protégeait pas juste la défense. Les historiens pensaient qu'elle était un symbole de puissance et de domination, mais je commence à croire qu'ils se trompaient. C'était le symbole de leur peuple, de leur culture. C'était le symbole d'eux-mêmes. Alors c'est quoi ça ? Mon père est venu ici. Un gros coup, c'est sûr. Pourquoi il m'a rien dit, ce con ? Tu l'as dit toi-même. Il voulait te mettre à l'abri. Je peux pas laisser Asav s'emparer de cette défense. Non. Non, pas question. Merci.
Tu me remercieras si on sort d'ici vivante. C'est pas faux. Oublie pas Ganesh. Contente de l'avoir pris. Par là. Oh. Magnifique. Toute cette splendeur cachée aux yeux du monde. Mais comment on fait pour passer ? Allez ! C'est assez profond ! Ok. Voilà notre entrée. Ça marche. Merci d'être passé devant. Et pas de quoi. Tu vas bien ? Désolée, laisse-moi le temps de reprendre mes esprits et je serai... Hé hey, Nadine Ross ! Oh, ça alors ? C'est quoi ce bordel ? T'as repris tes esprits, c'est bon ? Fais ta maline ! Prête ? J'étais à l'œil, tu sais. C'est un peu juste ici. Ah, salut ! C'est une bien jolie ville.
endroit est inondé. Je vois le haut d'un passage ici. C'est parfait. Ok. Tout en douceur. Quoi? Dans les oreilles. Je déteste ça. Je tiendrai tout pour une serviette. Oh mon Dieu. Tu vois ce que je vois? Tu sais, là, tout de suite, je trouve pas les mots. Putain de bordel de merde. Bien dit. C'est quoi cet endroit? Une salle de trône? Une cachette pour une magnifique défense incrustée de joyaux? Espérons. Je vois des marches qui montent. Presque tout cassé. Faut qu'on trouve un autre chemin. Merde, je viens de percuter un truc. Crois savoir ce que c'est. Qu'on va bientôt avoir besoin du disque. Exactement. On peut pas faire grand chose tant qu'on n'a pas trouvé Asav. Ou jusqu'à ce qu'il nous trouve. Une idée pour monter? Je cherche. Pas de passage par ici. Par ici, Nadine. Ça marche. Là, on avance. Je vois encore quelques manivelles dans la salle. C'est quoi ce truc là-haut? Chaque chose en son temps. Je sais. Je vais la tourner. La main bouge. Sois plus précise. La main droite. La main droite du bas. Parce que cette statue est énorme, mais je viens juste de remarquer que Shiva a un cobra royal en guise de collier. Bon, et maintenant? Bah, il doit bien y avoir un truc. Il faut juste que je trouve quoi. Manivelle juste devant. Je ferais mieux de bouger, moi. J'ai raté un truc, là.
pas de retour en arrière. Oh non. Oh non, 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 non. Accroche-toi. Merci pour le conseil, hein. Oh, j'ai eu chaud, là. J'ai failli laisser mon pantalon. Waouh. Je peux voir ma maison d'ici. Oh. Descends tout de suite. Hop. Ah, ça glisse. Bien joué. Merci. On peut pas grimper par ici. Fraser, on peut sauter sur la plateforme d'ici. Voilà. Ok, je m'occupe de celui-ci. Et le tambour de Shiva descend. Oh, oh. C'est comme le trident. Faut qu'on bouge. Allez, saute vers le tambour. Je croyais que c'était un sablier. C'est un tambour en forme de sablier. Oh merde, ça recommence. Accroche-toi. Et maintenant, on fait couler l'eau de ce côté. Maintenant, on a de l'eau des deux côtés. Regarde. Oh. Oh. On y va? C'est d'où? On va vite le savoir. La lumière tombe sur cette statue de l'autre côté. Ah, j'imagine qu'on n'a pas fini. Quand les Hoysala veulent protéger quelque chose, ils le font pas à moitié. Allez. Voilà. Ce truc qu'elle porte, c'est un prisme. T'avais raison. Évidemment. À propos de quoi? Qu'est-ce que t'as dit à propos de cet endroit avec les statues et les haches?
tout vient toujours par toi. Ah. Trois pointes d'un trident, la lumière se divise en trois rayons, et le troisième œil de Shiva. La lumière frappe la statue, mais rien ne se passe. Celle-là est cassée. Fais voir. Attends. C'est bon ? Ouais. Voilà. Tu fais une incroyable statue. Viens par ici. Ce truc est lourd. Je sais. Sans deck. Sans deck. Fais gaffe. Ce rebord a pas l'air solide. Ça marche. Bon, ça a marché. Alors je peux poser ça? Attends un peu. De bouger une seconde. Toute cette eau, c'est une purification. Qu'est-ce qui se passe ? Oh, c'est bon, tu peux reposer le miroir. Ils nous ont trouvés. Prépare-toi. Yeah.
T'as croisé les mauvaises personnes. Eh bien, vous avez fait une sacrée chute. J'étais presque inquiet. Venez, quelqu'un vous attend. Il n'a pas dit un mot, malgré mes efforts pour le convaincre. Sam ! Merde. Eh, hey, t'es venu ? Désolé. T'en fais pas. Il frappe comme une fille. Vraiment ? Et si on enlevait ces menottes que je te montre comment frapper une fille ? Qu'est-ce que tu fous avec elle ? Tu m'as dit d'aller chercher de l'aide. Oui, mais... Je dois avouer que vous êtes plutôt du genre rusé. D'abord, vous volez mon disque. Puis, vous demandez à votre expert de me mettre sur une fausse piste. C'est très malin. Vous avez peut-être un peu de sang indien, finalement. Bien. Finissons ce qu'on a commencé. Oh, et doucement.